messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur le grand plateau de Marius en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous le voyez avec moi ce soir, nous recevons un grand artiste international. Il est sur notre plateau, le grand plateau de Marius, Fally Ipupa, la fierté de la musique congolaise aujourd'hui. Après 4 mois passés à l'extérieur du pays, il est de retour et il nous donne cette première interview exclusive dans cette émission, le grand plateau de Marius. Cher ami, Fally Ipupa, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de m'avoir honoré d'être ici avec toi ce soir, Marius, mon cher frère et ami. Merci Fally. Alors, il faut dire quand même que ça va être difficile. Fally, comme vous le savez, il n'est plus à présenter. Et quand on reçoit Fally, il n'y a pas que ceux qui parlent Lingala qui l'écoutent, mais il y a également tous les Africains, je veux dire tous les francophones à travers le monde qui voudraient bien savoir ce que Fally a à dire. Mais je vous demanderai une petite indulgence simplement, parce qu'on va parler français, c'est vrai, mais une grande partie de cette émission sera en Lingala, la plus belle langue d'Afrique d'ailleurs. Mais on va essayer quand même de temps en temps avec Fally pour nous donner ce qu'il a de parler français. Alors Fally, parlons des généralités avant de revenir chez nous. Comment tu te sens aujourd'hui après 4 mois passés à l'extérieur du pays? Tu n'es plus retourné, mais tu es passé des productions en production chaque semaine. C'est quand même fatigant. Tu es de retour, Fally. Comment tu te sens? Je me sens heureux et je suis très très content de retrouver le pays, la ville, les amis, la famille. Et voilà quoi, je suis très très content là. Après 4 mois d'absence, c'est vrai que Kinshasa me manquait quand même. Et tu es de retour, est-ce que c'est si facile, Fally? Il y a la famille ici, il y a les amis, de partir aussi longtemps. Je sais qu'avec les nouvelles technologies, ça peut être un peu plus facilité par la nouvelle technologie, mais est-ce que c'est facile de partir comme ça et de laisser les siens et de revenir 4 mois après? Je voyage avec quelques membres de la famille. Okay. Et je voyage avec des amis aussi. Donc du coup, voilà, on le ressent pas vraiment. Et ouais, c'est vrai que bon, aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix. C'est le travail, c'est le boulot. C'est le boulot qu'on a choisi et c'est la vie qu'on rêvait. Aujourd'hui, je vais pas cracher là-dessus. Donc voilà, ça nous permet de travailler et de subvenir aux besoins de la famille et des amis. Mais quand on a rêvé cette vie, comme tu le dis, et qu'aujourd'hui, on y arrive quand même, est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas prévues, qu'on se dit, tiens, je ne savais pas que c'était comme ça? Bonne question. C'est vrai qu'il y aura toujours des surprises, mais je pense que je suis à mon niveau, avec la carrière, avec ce que j'ai déjà, l'expérience que j'ai. Je dirais plutôt, rien ne me surprend. C'est-à-dire que je prends les bons ou les bons mauvais côtés de choses. Donc j'essaie de m'adapter en fait. Donc voilà. Et où tu es aujourd'hui, Fally? Je sais que ça va faire très longtemps que toi et moi, on n'a plus été sur un plateau de télé. Depuis le Covid, non, je pense. Oui, avant Covid. Avant Covid. Mais pendant, je pense. Non, c'était juste au début de Covid, je crois. Ouais, ouais. Mais je voudrais te dire, Fally, je ne sais pas comment m'exprimer, mais je te le dis en tant qu'ami, mais aussi en tant que Congolais. Combien on est fiers de toi. On est fiers de toi, Fally, parce que des fois, on n'a pas, nous, journalistes, on n'a pas l'habitude de le dire aux artistes, parce que quand on vous reçoit, on veut savoir des choses sur vous. Mais je voudrais te dire, cher ami et frère, combien je pense toute la RDC est fière de toi. Et elle est fière de toi pour combien tu nous représentes valablement à travers le monde. Aujourd'hui, je pense que tu es le porte-étendard de la musique congolaise. Si on parle musique congolaise aujourd'hui, on parle Fally. Je voudrais quand même te le dire, honnêtement, sans te flatter, même si ça ne veut pas dire que les questions que je vais te poser vont te flatter, mais je veux que tu saches, Fally, je te l'ai dit quelques fois, parce que souvent, quand on est avec des amis, on considère des fois, on voit les choses comme si c'est acquis. Et après, avec un peu de recul, on se rend compte que, au fait, frère, tu es en train d'évoluer et tu fais notre fierté. Je voulais te le dire sincèrement, du fond de mon cœur, bravo. Bravo, Fally. Merci pour tous ces sentiments. Merci pour toute cette fierté de la RDC, parce que tu fais partie de ceux qui inspirent aujourd'hui, des jeunes qui viennent de nulle part, de Bandal, et qui aujourd'hui se trouvent quelque part où on les regarde d'en haut. Fally, bravo. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Venant de toi, ça me rassure et ça me touche. Il y a encore des journalistes qui peuvent
Voilà, vas-y, je préfère. Vas-y. Merci beaucoup, frère. J'ai pas envie de. Non, merci, merci. Non, mais vraiment, tu es notre fierté. Merci. Fali. Surtout que toi, on se connaît depuis. Oui. Donc, comme diraient les étudiants, Massoua. C'est-à-dire qu'on a Massoua, Nangazali. On a commencé. C'est les militaires ou les étudiants? Mais les étudiants. Les étudiants. Ouais. On a commencé. Massoua, les militaires, voilà, on a commencé à peu près. Ensemble, voilà, quand ça me rappelle encore quand j'ai monté, quand on montait faire les émissions vers TKM. TKM, c'est ça là, donc voilà. Mais c'est là justement, te voir de là, c'est là que j'ai dit que Fali, et je veux que ça inspire beaucoup de jeunes. On vient de loin, ouais. On vient de loin, ouais. Et tu inspires beaucoup de jeunes parce que beaucoup de jeunes qui te regardent aujourd'hui peut-être ne savent pas d'où tu viens, mais je veux que tu partages cette expérience avec eux, que tu leur dises parce que je veux qu'il y ait des millions. J'espère qu'il y ait des millions d'autres Fali en République démocratique du Congo, chacun dans son domaine. Et si tu avais, Fali, un conseil à donner aux jeunes, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais aux jeunes ou aux artistes, simplement d'avoir une vision, la détermination, le sérieux, l'envie de réussir et l'envie vraiment, le respect du travail. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler, il faut aimer la musique. Bon, il faut aimer, justement, il faut juste aimer ce que vous faites, peu importe la discipline, c'est-à-dire que même si vous soyez sportif, artiste, musicien, peintre, si vous voulez faire la politique, il faut aimer ce que vous faites. Nous, on a commencé, toi-même, tu sais, donc voilà, j'avais juste la volonté, la détermination, et l'envie de réussir. Aujourd'hui, à l'époque, quand on commençait, on nous disait toujours, les gens spéculaient beaucoup, disaient, pour quelque chose, je trouve d'ailleurs ridicule, quand c'est un blanc ou un européen ou un américain réussit, on dira, ah voilà, il a travaillé. Quand c'est un africain ou un noir, ils disent, ah, forcément, il a touché au truc bizarre, avant la kissi. Nous, quand on commençait, on nous disait que avant de réussir, il fallait toujours avoir les artistes musiciens. Avait des gris-gris. Est-ce que ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas, c'est des conneries, ça. Ouais. Bah oui, frère, ouais. C'est trop facile. Ouais. Sinon, tout le monde remplirait des stades, des salles. Ouais. Les adresses sont là, les adresses sont là. Il y en a même qui revendiquent leur côté. Ah oh non, moi je suis mystérieux, le plus mystérieux de tous. Mais vous allez voir, il va faire un concert où... Il n'y a quasiment personne, vous allez voir, ils vont sortir des albums, ils vont forcer des clips. Non, le travail, ça, c'est des choses qu'on doit dire à la jeunesse aujourd'hui. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui vient devant vous pour vous dire, quel que soit le football, dans le football ou musique, ça n'existe pas. C'est la pire connerie, ça. Très bien, j'espère que les jeunes vont apprendre de ton expérience. Que quelqu'un ne vienne pas vous dire, non, donne-moi un petit, je vais te faire. Non, 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 frère, travaille, sois focus et une vision. Et voilà. Ça marche toujours. Ça marche pas. Mais après, il faut rencontrer des bonnes personnes. Fali, tu les as rencontrées. Oui, mais pas forcément. Ouais. Pas forcément. Tu peux péter aussi des chez toi. Surtout qu'aujourd'hui, avec la venue des réseaux sociaux, tout ça, tu peux faire un clip chez toi à la maison. Pas besoin de manager, truc, et puis ça pète. Mm-hmm. Mais après, pour faire une carrière, voilà, c'est vrai qu'il faut d'abord avoir une vision. Mm-hmm. Être bien entouré ne suffit pas. Il faut d'abord avoir une vision. Tu peux avoir 50 000 managers, 200 producteurs. Ils te disent, lève-toi à 8h du matin pour aller faire la promo. Tu dis non, j'ai trop bu la nuit dernière, je ne me lève pas. Ils ne vont pas venir te soulever pour aller faire la promo. Mm-hmm. C'est toi, tu dois te discipliner quand même. Je pense comme moi, aujourd'hui, je préfère passer tout mon temps en studio, sur scène, au lieu d'aller passer ma vie dans les boîtes de nuit. Est-ce que cette vie de boîte de nuit ne te manque pas? Non. Alors là, pas du tout. Ouais. Ça m'ennuie quand Est-ce je suis que dans une boîte de sacrifice que tu fais ou au début c'est un sacrifice, mais aujourd'hui c'est ma vie de tous les jours. Ouais. Ça me saoule d'aller en boîte de nuit, sauf si on paye. Ouais. Ouais. Nuance. D'accord, très bien. Ouais. Alors, mais autre chose que je pense vraiment, Fali, tu as évolué. Tu as tellement évolué. Il y a 20 ans quand on s'est connus, il était difficile qu'on fasse une interview. C'était pas évident qu'on fasse une interview en français. Et je te vois faire des interviews en anglais. Tu as travaillé dur, frère. Ouais. Et bravo. Allez. C'est la volonté d'apprendre. Bravo. Éternellement, je suis un éternel bravo. Apprenti. Bravo, Fali. Donc voilà, je pense que voilà, c'est ça qu'on appelle une vision. Ouais. Ouais. Ouais, très bien, Fali. Merci beaucoup. Alors, on t'a attendu dernièrement aussi à l'ouverture de la CAN. Finalement, on t'a pas vu. Est-ce que c'était prévu que tu joues?
J'avais pas dit que j'allais, je devais jouer. Non. Pourquoi moi? Il y a plusieurs d'autres artistes congolais. On sait que. Tiens, il y avait mon jeune frère, mes jeunes frères Dadju et Taïk, c'était déjà bien. Mm-hmm. Je ne suis pas obligé de faire toutes les camps de voilà, Est-ce que tu as été sollicité, toutes les cérémonies. Tu as dit non, il faut laisser la place aux autres, ou tu as, ou t'as pas été du tout sollicité parce que tu penses que tu en as fait trop? Non, déjà, quand on me sollicite, on ne passe pas directement par moi. On passe par. J'ai un manager, aujourd'hui j'ai une agence qui s'occupe de mes dates. Mais voilà, on a fait d'autres. Comment dirais-je activités pendant la période de la CAN, mais l'ouverture, non. J'avais déjà fait l'ouverture au Cameroun. Je pense que l'Afrique a beaucoup d'autres artistes qui peuvent faire des ouvertures de la CAN. Ouais. Bon. Et donc, mais bon, c'est toi qu'on t'a attendu quand même, Fally, aujourd'hui. Ouais, si on c'est pas grave, on va. C'était la Coupe d'Afrique francophone, quand même. Tu es l'un des meilleurs artistes, si pas le meilleur artiste francophone du moment. Du moment, ça fait. T'es là, on parle de longtemps. Du moment. Ça dure du moment là. Enfin, moment là, ça fait combien de temps ça va? On t'attendait quand même à la CAN, Fally. Ouais. Il n'y a pas eu d'entente dans ce sens-là. T'as pas voulu jouer? Non, je dirais pas. Non, j'ai pas été sollicité pour l'ouverture de la CAN. Très bien. Très bien. Alors, on va peut-être marquer une pause tout à l'heure avant de passer à Lingala. Tout à l'heure, Tobé, t'as le solo à Lingala. Pour Tobé, t'as un solo, ils ont un général. C'est des causeries générales. Comme ça, tout le monde sait parce que je pense que c'est l'une des premières interviews de Fally à Kinshasa. Je vous rappelle que nous sommes à Kinshasa depuis qu'il est parti. Alors, Fally, tu as osé. Je dis bien osé, je pèse mes mots parce que personne ne le croyait. Tu as osé jouer le stade de Martyr avec près de 80 000 places à l'époque. Tu as fait le plein. C'était plus. Hein. Bon, je te l'accorde. En tout cas, le stade était débordé. Tu vois, jusque-là, on est d'accord. Voilà. Et puis après, tu es parti pour jouer les You Arenas, je peux les appeler comme ça. Les Arenas, les Arènes. Les, voilà. Il y avait celui de Paris. De Paris. Encore. You Arenas. C'était en 2020. Paris, la Défense Arena. La Défense Arena. À Londres, c'était quoi? OVO ou Wembley Arena. Et puis, celui de Bruxelles. ING Arena. ING Arena. Je sais qu'on va essayer de s'attarder là. C'est pas. Est-ce qu'on peut dire que tu es le fils de son père? Parce que curieusement, quand tu as joué le stade de Martyr, tout de suite après toi, il y a eu d'autres artistes qui ont joué. OK? Il y a eu Ferré, il y a eu Ritier, il y a eu Félix Oisekois. Aujourd'hui, tu as joué les arénas. Aujourd'hui, il y a Ferré qui va jouer les arénas. Il y a Félix Oisekois qui va jouer aussi à Arena. Est-ce que tu te considères, Fally, comme un précurseur, comme ton père musical, Koffi Olomidé? Ou tu penses que c'est quelque chose que tout le monde peut faire? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, je pense pas que c'est important pour ceux qui nous regardent. C'est ce que toi, tu penses qui est plus important. Non, je pense que les gens qui nous regardent les savent. Je n'ai pas forcément besoin de commenter là-dessus, sinon je n'ai pas envie de créer des polémiques inutiles. On est en 2024, non? Ouais. Et tout le monde a accès aux infos, donc je n'ai pas forcément besoin de. En fait, quand je m'élève, je n'ai pas envie de. Je ne m'élève pas. En me disant non, je suis obligé d'être le premier, comme je l'avais déjà dit d'ailleurs, je suis obligé d'être le premier. Non, je ne m'élève pas, ça ne me traverse pas ce genre d'idées en fait. Mais naturellement, j'aime prendre des risques. En fait, moi je suis un peu un explorateur en fait. Je suis un peu. Naturellement, j'aime prendre des risques, peut-être pour faciliter aux autres, pour que les autres comprennent que, en fait, tout le monde peut le faire, peut-être, je dis bien peut-être, mais voilà, je ne me dirais pas que je suis le guide, parce que le guide de la musique congolaise, on le connaît. Moi, je suis juste. Est-ce que tu penses que c'est le fait d'être sorti de son école que tu as ça, ce côté-là? Ah, je ne sais pas. Justement, je ne sais pas. Mais je pense que ouais, ça peut être aussi. Mais je pense que
Je suis quand même quelqu'un qui aime faire, qui aime prendre des risques, qui aime faire des choses différemment des autres. J'aime pas. Après avoir fait, j'ai envie de dire la ligne, les grandes lignes que nos grands frères, nos papas, nos aînés nous ont laissées. C'est-à-dire que les grandes lignes, il fallait faire à l'époque Olympia, Zénith, Bercy à l'époque, Stade des Martyrs. Et là, je me suis dit, voilà, je vais quand même aller conquérir d'autres, essayer d'autres mondes, d'autres combats pour mesurer quand même. Aujourd'hui, il faut le dire, les anglophones, nos amis du Nigeria, Ghana, Afrique du Sud, ils sont partis, ils partent très très loin. Il fallait quand même qu'il y ait des French speaking, comme on dit, que le pays africain qui parle français, des artistes d'origine Des pays des francophones. pays francophones arrivent aussi à, voilà, à défendre notre secteur. Et voilà, aujourd'hui, c'est j'ai pas envie de dire mon combat, mais c'est ma vision en fait. Là, j'ai fini les arènes, mais je m'attaque au stade. Ok, on parlera des stats tout Donc à l'heure, mais voilà, le fait que d'autres artistes mais vous je ne me connaissent. dirais pas que je suis obligé, le guide, vous suivez les guides. Non, je dirais plutôt que je suis un gars cool, des bandales, qui aime prendre des risques pour peut-être Mais détecter les mines, tu vois. ouais. Là, il y a pas, on peut passer. Tac. Ah, ok, c'est bon. Okay. Le fait qu'il y ait d'autres qui viennent, qui voient que le chemin a été balisé, ça te fait cet Ça effet-là? m'honore, ça me fait plaisir, ça me Ouais. fait plaisir. Ouais. Ça a toujours été ma vision et ma volonté. Tant que les gens ne comprendront pas qu'on doit arrêter avec des polémiques stupides, stupides qui se passent ici chez nous, tant que les gens ne comprendront pas qu'il faut copier quand c'est bien, ben écoutez mon gars, je serai le seul à être au BET, au Grammys, avec beaucoup d'autres artistes nigériens, beaucoup d'autres artistes sud-africains. Malheureusement, parce qu'ici, tout le monde est prêtre, comme on dit. Personne ne veut copier, ou du moins, ils vont copier, mais sans reconnaître. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut copier C'est qui est bien. ce qui est bien. C'est ça qui va faire en sorte qu'il y ait plusieurs artistes congolais sur. Je sais pas comment on dit, les grandes places où la musique africaine est représentée. Voilà, moi je ne suis pas en mode, je veux être seulement, je vais à tout prix être le guide ou le premier. Mais naturellement, je fais des choses à ma manière et puis les autres, s'ils les font, tant mieux. Très bien, Fali, on va revenir à toi tout à l'heure, mesdames et messieurs. On va marquer une petite pause de musique avec un extrait de ton concert, justement. On va voir l'entrée. Moi, j'aime beaucoup cette image. Voilà. On te voit arriver, mais bon, on regarde ça d'abord. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Regardez. Go!
chérie fini comme on se soudait à ta baya donc à l'oula boutou malalou on le chante. Le petit est là, mais bon. Faites quand même doucement, sinon il va prendre la grosse tête. Marco Sisei, pour pas. Barakis. Il n'est perdu, il s'est retrouvé. Yes. Mon cœur ne bat plus pour toi, chérie. Pour toi, chérie. Mais dans mes rêves, on a toujours des affaires. Amour est un rêve.
Cet extrait de ton arrivée dans cette salle, Fally, quand on arrive dans un événement comme celui-là, bon, allez, Lingala, et bienvenue maintenant, parce que ça nous manque depuis qu'on a commencé cette émission. Mm. Qu'est-ce que ça fait, Zo Salonin, que oui, dans la salle, on est en train de tester pour la première fois. Ouais, pour la première fois, on a Koti, c'est vrai qu'on a une scène, voilà. Oui. Et d'ailleurs, on a maintenant, quand on a un mat pokora, bien que c'est la première fois qu'on est dans la salle, voilà, et il concerne un mat pokora. C'est vrai que c'est impressionnante quand même la salle. Tu vois que. Mais quand tu arrives ce soir. Quand j'arrive sur cette soirée. En fait, na comment la soirée je crois que 14 heures. Oui. 14 heures déjà, ton commis, fallait que ça la. Balance qu'il y a sous cabinet, ou bien un filage, donc avec la couleur au lata, tout. Tant que tu y es, la salle, non, mais toute l'histoire, moi, qui est toute la journée, à jour, il y a un concert, on a l'air où tu es. Bonne année. Parce qu'en fait, tant que tu commis, il fallait gérer, parce que la place est là, il y a du sous-douté. Le fait que je suis au côté de sa barre, tout ça. Donc, si à 10 minutes, dans le podium, j'étais encore en train de gérer, je suis au côté de sa barre. Ouh là là! Donc, mais bon, il y a un monde et ça, la différence entre ce que je suis professionnel et amateur. Mais la différence, c'est où? La différence, c'est que malgré le stress, il y a un stress, au matin même podium au sali mukambo il a tant on a matin on a ya et c'est vrai que quand tu joues dans ce genre de salle oui déjà que des noyaux bétaboué on a tiré 40 000 billets déjà ce tir aux yeux on a battu une dizaine de bandes même si ça a calé on a fait le ton on a fait le ton on a battu maillet donc on est sûr déjà sûr oui que producteur aux yeux cabana tiens déjà des chicots côté yopé aux yeux c'est vrai que chicots on a ok. Et tu as le bateau pour avoir retard, bateau filtré pour contrôler les alakis. Le jour, j'ai commis combien. Parce qu'en fait, il fallait tout. Non, on a ces streamers, tu es là. Tu as 45, je ne sais pas, une heure, il y a retard. Il y a un moment, un concert, il y a un préparé, tu as un bête à mon nom. Et à un moment donné, tu as fait un peu de temps. En tout cas, tu as pour vous dire que. Naïna ba hier moniteur écoutez oh ba tu la Congo excusez-moi ou ba bena donc ba non retard à 20 ans ba ba ya autotune té ba hier moniteur avec un retour sur scène ba technicien bref ça attention Fally il te reste 20 minutes attention il te reste 10 minutes attention tu dois quitter la scène donc équipe sur la pause en attente donc continue nous 23h00 fallait moins de koufa il fallait tout bima monipo na la sécurité ba donc tant que tu as commis, on a 20 heures quelque chose, je ne me rappelle plus, mais tant que tu as commis, on a 15 minutes en retard, ben, il va me dire, bon, toi, on a retard à 15 minutes, il y a spectacle. On enlève quelle chanson? Tout ça, l'année dernière. Déjà, on a dit, mon là-bas. Mais bien sûr, on a dit, mon nom là-bas, oui, tu es merveille, on a dit, mon nom là-bas, tu es tombé, tu es tombé, parce que, tu es tombé, tu es tombé, 20 minutes. Je ne comprends pas de boire un gâté. Ah, on comprend. Ah, tu as regretté. Si tu as oui, écoute, Félicité, tu es tombé, tu es donc. Tant que tu as 30 minutes, il fallait que tu aies 30 minutes. Parce que tu as dit que sinon, tu as un concert pour une heure, tu as habité ton mat. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu donc, stress déjà avec tu as déjà tout le monde est dans tout parce que tu as déjà dit que tu as. Mais, on comprend que le professionnalisme étant où, malgré le stress, tu as dit que tu as invité, tu viens dans l'eau. Tu as profité, tu as dit excuse, viens, 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 viens,
bah Claudia Tagbo, bah Lincha, bah tu belé belé bah artiste belé belé bah bah il fallait bah ya bah coutater. Donc j'en profite pour passer une excuse n'a bien droit vieux quoi. Malgré ça, on m'a dit quand même dans le podium à 10 minutes et puis et qui tu gères. Mais j'ai vu que tant au coaching dans la salle. C'était quoi? C'était quoi que tu te disais? Parce que couronne et kiti aigle la poumbo est-ce qu'on arrête la salle c'est quoi? Je veux dire que tu es un bébé, non? Est-ce que tu as un boulot de moi? Tu es un bébé, c'est un bébé. Non, mais dans ce temps-là, au moment où parce que tu es un bébé, tu regardes là, tu es ailleurs. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est quoi? C'est quoi? Alter ego, tu es comme dans la scène. Voilà, c'est Fali et Poupa en Simba et Souté. On a aigle, c'est quoi qui tu as? Mais parlons de aigle, Fali. Aigle, on a pneu. Et où tu vois? Ah, c'est un grand reprendu en États-Unis. Emblème d'un binôme américain, aigle. Ah, papa, aigle, y a you. Et où tu wapi? Vision, sérénité, longévité, confiance, façon aussi renouvelée. C'est-à-dire, je. Voilà, mon on dit. Je m'identifie à aigle. Et puis, je suis peut-être en route de loger. Non, moi, c'est vrai qu'il n'y a rien à t'acheter à aigle depuis Kalao. Mais, ton arôme est autant à Nina, il coupe boulet aigle. Masananga daya paix à son âme Gauthier Wing. Elle fait ah namu na kulinga aigle obi ke aigle na kompo bien obi ngai iquila soki aigle na italien na iquila soki ni iquila. Abia ça mystique ya ya donc vraiment ça vient na aigle. Donc ça on a dit mystique ça mais aigle pas gentil hein tu sais ça. Ah bon? Yo yo lia na aigle va na na. C'est pas un animal gentil hein aigle. Na bato ba na bato ba provoquer ka. Té akinda pe ko ko. Ataka ba tu te. Ah bon? Yo, mon aigle, moi, attaqué côté ni. Yo, il va documentaire, gaga. On a l'accès à la vidéo. Aigle. J'aime beaucoup cette image. J'aime beaucoup cette image. C'est très beau. C'est très beau. Donc on adopta aigle, ça veut dire. Parce qu'à l'époque, on a dit king, tout ça, banine. Yo, mon ébiga. Parce qu'on a le moins un king. On a le king. Même si bon, on a dit un king. Ouais. On a dit un chapeau. Ouais, king, il a l'air. Oui. Il a payé un couronnement. Il faut designer en réalité. Donc, mais officiellement, aigle, là. Aigle. Aigle. Mmh. Aigle, Mobutu, ça aussi tu as accepté Mobutu? Mobutu, on te va comment en fait? C'est quoi Mobutu, pourquoi? Mobutu, on va péter. Pose un dictateur? Na musique, en Goloba. Pose un dictateur? Na musique, en Goloba. C'est-à-dire? Sans un dictateur, na musique, ça veut dire quoi? Non, ngai, bah comme tout, na ango, bah pèse en ngai. Et on dit, bah en Goloba? Nga, nazali, comme on a, bah boutan a fali, il poupe en Simba. Mon bout, va payer ça pour que ça ne termine pas. Donc, grand prêtre, Nguendo, prêtre. Babi, il y a un charisme, il y a un grand prêtre, Nguendo. Après, il y a un professeur. Il y a un professeur. Parce que la façon, il y a une école. Si on a le bigabou, il va tout balandi. Si on a sali gabou, école, elle professeur. Elle m'a dit, je viens de la rue, je viens de la rue, je viens de la rue. Elle m'a dit, elle pibe, elle nino, elle protagoniste. Mais comme toi, je viens de la rue, King, je viens de la rue, je viens de Mais tu te considères comme le roi aussi, Fali? Le roi? Si, roi, roi, non. Non, je ne pense pas. Le roi, peut-être dans un kingdom. Ok, kingdom, il y a. Dans l'univers, il y a. Il y a warrior. Ok. Ok. Alors, Fali, tout à l'heure, on était sur la chicon. Mais aigle, là. Tu as la télé, la chicon. On était sur la. Alors, ce qui est total. Ben, de nous évoluer, comme une carrière très professionnelle. En tout cas, et ça, là, c'est moi, Moufélite. Mingité, sauf son ligné. Ça veut dire que Chico est au côté, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire à ce point, Fali, que Yongo Roulou, ce bateau, il fallait qu'on soit riche? Est-ce qu'on est riche? Sauf qu'on est riche. Richesse, là, où qu'on s'est manifesté dans la ligne, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles tu investis, bien bon, ou bien, car ils ont la carte, la palais, de tout le monde? Bon, c'est vrai que on a payé et l'homme surtout le monde en double nabisso. Il faut n'aluka, il y a une question très très pertinente et il a payé vraiment importante. Il faut par contre de singa réponse mot il y a bien pour na eh ben tu vas en bien bien. Narop répond en oboe. Oui, Fali vit de sa musique. C'est-à-dire Ngaï, Lelo, et d'ailleurs même des artistes qui m'accompagnent. Je pense qu'il est important, tu sais, que la musique est un salamo à pamba pambaté.
Parce que tu es belé dans une musique tant que sous Zobeta Rabandoule, Zobeta, Zola Libanda, surtout une épisode de Banda Bandoule, Zobeta Voyager, Zobeta Galère, Zobeta Mangue Bélé Bélé. Mais, Zobeta Vivre dans la musique. T'es. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de faire ça. Tu sais, Marius Munga, je regarde la caméra, je vais vivre dans mon andoule. Donc, dans mon andoule, je vais vivre dans mon andoule. Et ça, c'est important, faut tout le monde. Parce que, il faut. Ce temps, il faut un exemple, il faut payer ça, exemple. C'est-à-dire, nous devons faire un andoule, ce qui osa organiser, ce qui est simbi, pour vivre dans mon andoule, et puis nous devons faire un chicon. Kalandoule le gars que nos andoulistes mais faut vivre dans ba matolo faut que ndara ko sala abwe to ba congolais to lo batte que no to pexa ba matolo ba ko pe no ba ko pe sala ba ngoyo mais il faut vivre aussi dans musala na yo Dieu merci avec focus avec beaucoup de sacrifices ma boulot ma heure et belé na ba studio ma voyage je peux aujourd'hui dire aux gens que oui moi je vis dans la randoule. Donc, blague que tu es dans la randoule, ça, il faut mettre sans randoule. Il faut faire la peine que tu es. Ce qui est, moi aussi, je suis. La première des choses. Okay. La deuxième des choses, par contre, je suis dans le bas. Oh non, je vis dans mon randoule. Une fortune, je suis estimé. Je suis dans le bas. Je fais combien de concerts par an? Ngai et l'homme na lobango ba jeune artiste botalanga botalanga hein botique a collier sa musique il faut élier sa yo ce que monique au commun reconnu c'est à dire que collier sa musique avec les autres en bon on est tous la musique pour au final olier l'autre moi je fais jamais ça mais dis on commence par là non on a commencé par wanate on a laissé faire la musique avant abima galère au baquet management basket, au côté boyé, au vite taxi, au gendé boyé, au qui est sur la télévision. Biso, pas complexité. Biso, dans notre route, dans notre vrai vécu, dans notre street crédibilité. Parce que biso, dans notre doule, on a bâti, on a basket, vient mutuma outil mikili, au que c'est bâti, au que c'est lich, au bête à ma colo, tu as au saranate, pour mon ibapiti, on est là, on dit tout ça, mambo bon ça à l'élo. Oui, outil d'icolo. Mambo bon ça à l'élo, biso, bien moté. Macambo yo. Il y a des gens qui ont dit que il faut tout le monde là, Babylon est une nécessité dans la musique. Tout le Babylon est important. Et là, ici, les lots, ils allaient qui est artiste et musicien. Oui, tu peux te sacrifier au bon onayo quand ce bandit pour te produire au salaman bébé bébé. Mais à un moment donné, il faut si quoi au Moussala pour te payer sa crédit des Bolbarana valeur dans Moussala pour pas respecter Bissot. Il faut qu'on donne l'impression, pas l'impression, il faut que Babylon comprenne que non, c'est des gens sérieux qui travaillent au bazo gagner paix. Ma vie bango, na musique. Mm-hmm. Bon, on doit respecter Bino. Mm-hmm. Comment tu expliques au bête à concert, au salle à tourner, au bim sa album, mais sans goûter un avion au moins, ah, viens, il faut un studio, donc, et aussi un moins mille de Bako est déo, mais il faut que le bac est musique, et ça dit un distribuer écoute sa rambon. Encore pire, ça va structurer ma rambon à Congo, bon écoute à suivre belé. Donc, pour répondre à ta question, oui. Lélo, Bilo retourne à Zanango, et à Mundou le Mutezo Péan. Question en Aïe, on a riche. Question en Aïe. La question en Aïe, riche. Richesse, c'est à Mutaro Zafo. Ce qui est riche. Parce que Yomou y a galère, tu vois, non. Yopé n'a ni bitoyen, n'a pas trois mbats. Mais Lélo, comment. Mais non, c'est la vérité. Lélo, comment la mbati, comment la mbati, aux arabes, tête, aux arabes, bébé, bébé. Donc, aux années, on évolue par rapport aux Aïe, richesse, même la tête côté aux arabes, Bachar, la Forbes. L'année, on a généré combien? 1000 dollars, 2000 dollars, 3000 dollars, 5000 dollars, 6000 dollars. Donc chacun est riche d'un côté.
Mais en tant que bantoune tout ça bilélo. Oh le bango ya te. Na koya te na le bakeno ndena binaza super riche. Ouais. Bah tu pourrais marquer le mona. Ya ma mi onga mo na tikala na ngo. Oui. Na ko le baka ma muté ke o na tana banda ko. Même si osana ngo on a yé. Na ko le baté. OK. De wana mpo na le bageza ya ngate. Na ko le ba mambango te. Ma mo banda ko o ma mususu nga mo na privé. Nga mo côté jet privé na na côté. Ba te na Afrique artiste na jet privé até. Ba louer na banga. Ba louer. O louer aux autres au lieu ba air pour tout. Et zuyo, j'aime pas la nga mo na ni avion te. Donc ce même na na mbongo so ma jet privé na so mbango te. Et puis na Afrique artiste et musicien na jet privé azaté. J'ai même envie de dire que même footballeur, même artiste ka ba un politique ba ba jet privé. OK. Voilà. Donc et la question c'est que ouais. Alors le moment ma montre mais banda côté. Na le moment ba basket mais ba mbongo té na bi manango boy parce que il y en a ba valeur na bisoté. Très bien. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Fally. Alors to tira mon kenani na parce que na limite que to aussi ces missions. Kasi yo t'aime. Il y a tellement de choses à se dire. Mais quand on te voit donner na moni non seulement de moyemba ki mais ndengo binaki. Mais quand je te vois quand on a autant, on s'est autant donné, on a autant dansé. T'es pas qu'un bon chanteur, Fally, t'es un super bon danseur. Est-ce qu'à un moment, avec l'âge, le corps, il dit pas non, on a bien appétit, on a tiré dans nos doses, on a parce qu'on a bien appétit, on a bien. Est-ce qu'on se fatigue pas à un moment? Mais est-ce qu'on a bien appétit dans nos bien appétit? Ah, oui. Nabila n'a pas de bonnes choses. Ou bien, sérieusement, il est. Oui, mais comme il y a un mot, justement, ils ont justifié que c'est un choc. On ne se fatigue pas à un moment. Le corps ne cède pas. Le corps est au cédé à un moment donné. Il y a un mot dans la sport, il y a un mot dans la discipline, il y a un mot dans la rabbinade, etc. Et c'est vrai, je pense que il y a 20 ans, même si tu es un goat, quoi. Vous comprenez qu'il y a ce petit moi, il y a ce bina dans l'hôtel, il y a un petit peu comme ça. Il y a ce bina qui est là, il y a ce bina qui est là. Pour que ce soit un bina. Mais c'est vrai que tu as bien sonné, tu as bien sonné. Mais, ceux qui m'ont dit que le spectacle est chaud, parce que là, on a ça sur le concert. Le concert est là, pa, 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 pa. Pour justifier cacher au Bafoutara. Kobina, justement, c'est ce qui m'a impressionné quand je vois ce que tu as produit comme Kobina dans la Yuarina. Je ne sais pas si c'est dans Londres ou bien dans la Yuarina. Voilà, tu as dit l'autre. Hein? T'es aimé avec tel. Kina, Bena, Okina, je pense, est dans Londres. Est dans Londres. Parce que dans la Yuarina, dans Paris, la défense arrête dans Ponanga. Et concernant, justement, la raison pour laquelle nous avons à Paris. Non, nous avons à Paris l'année prochaine, dans le stade. Mais nous avons n'a pas conseil, on se connaît si l'issa ba date y a ba arena pour nous attaquer dans le stade. Parce que Paris, n'a pas de bon dans la paix sa bille retour, n'a pas de parce que tu as la gueule, tu as courir derrière tant. Mais qui n'a pas de ou qui n'a pas de Londres pour nous. Allez, on va marquer une petite pause avec cette séquence de danse que j'adore, que j'admire, avec Fally Poupa et son groupe. Et puis on revient tout de suite pour. La suite du grand plateau de Marius, je vous rappelle que nous sommes en direct donc de Kinshasa. On va regarder ça, on se retrouve tout à l'heure.
les dobines. Tout le monde, levez les mains. Voilà, donc c'était la Fally Poupa sur scène, mais regarde, c'était tellement beau, Fally, merci encore pour toutes ces émotions, mais quand on voit comment tu as évolué et où tu es aujourd'hui, et ce que tu viens de faire pendant les quatre derniers mois, celui avec un peu de recul au tali, est-ce que, Naïbi qui débat dans les amis, dans les réseaux sociaux, est-ce que, aux hommes, on a que... au sali collé kaba ba yaya na yo ba mikolo na yo ba qui avant yo na musique ou bien aux hommes on a que sincèrement que était niveau dans ma communauté je parle en termes de exposition na musala na yo na monde mala ou loba simplement na sali na ndenge na ngai na loba te na sali collé kabango et na loba te que pe que non na komi pété les hypocrites. Je dirais, on a sali nandenge na ngai quoi. Bango basala, ils ont continué d'ailleurs pour sala pe nandenge na bango et respect toujours, mais on a peiné aussi nandenge na ngai. Il faut dire quand même que même si Ozo évolué, succès na yo en grande partie, je pense que nandenge na bête le solo moto na na quand on a baï bandi mais sérieux on a ouais na au sous bandeau kende au sous cet album là yo tu viens d'un train en Suisse dans l'andara yo tu es dans la gare du Nord ah monsieur tu kende là tout ça l'interview on va dans le train tu kende en Suisse mais si tu es en Suisse au bimisi téléphone c'est avec BlackBerry à l'époque non mon gars tchac et anin obina bébé on ni après obina c'est qui obina oui bon au Canada donc après je sais pas ce que c'était mais je vois combien dès le départ Fally tu étais exposé aux réseaux sociaux et tu en as vraiment tiré l'avantage ou utilisé ce qu'on peut dire aujourd'hui que succès n'a eu en grande partie quand même, c'est accompagné par les réseaux sociaux jusqu'au point, Nazor, pas plein de toi, pas ma confrère, jusqu'au point que beaucoup de confrères au Bandera Bango, il paraît au Tiki Bango, tout, Pembe, parce qu'on a support, il y a les réseaux sociaux. Est-ce que c'est comme ça que tu vois ça? Non, je ne dirais pas ça. D'abord, pour répondre à la question, là, ça s'appelle vision. Tout le monde a la vision. À l'époque, quand on a déjà la vision, il y a quoi prendre curiosité dans l'œil. Et on a posé ça, on a question, mais pourquoi M. Soussou, pourquoi les autres, les Américains, M. Soussou, même en France, M. Soussou, à l'époque, BBM, à Timbi, c'est BBM avec Olivia, na BlackBerry à l'époque. On a un bisso côté, on a écouté à guité. Après, un an ou six mois, c'est tout, un an de Congolais, on a un appareil, Instagram, blog, belé. Donc, il y a une vision et un moto. Place nous lingo kin de la musique. Ngai vision ngai banda déjà kakato zonga na kin. Quand je sors mon premier album, na signé na société mon record à la place, na boya mambo betaka. Bah chaque week-end na beta ndule ki mon quelque part, na boya rapé ko betara, ba concert à libanda chaque fois. J'avais même résilié un contrat à l'époque. Ba bien mon vision. Na une vision à l'époque. Et puis, il y a déjà la vision dans la musique, dans la, il faut écho ma boy. Parce que les réseaux sociaux, il y a la portée à Moutounia surtout. Même voir, même l'album, tant on a dit l'album dans la, il y a Urbain, Moutou tout pouvait faire à l'époque. Tant on a dit Moutounia surtout dans l'Orloba à l'époque, Moutou tout au salam. Mais sauf que Moutou a ça la gangote. La vision est inaïe. Ngai na entourage na équipe ngai tu es bien déjà c'est toi qui n'as pas vision na ça na moule lelo oyo ça na dévoile lelo yango olwanai na ça utopie na ngai comme doublé un niveau mais non ça s'appelle encore une fois vision si vous faut matérialiser un aussi quoi oui bah studio c'est là on va dans le Congo
la chaîne de la télévision au Banda Kalana Congo, les réseaux sociaux pèsent là en haut. Mais il faut que le team barasque au côté. Vision de team bisanga déjà à l'époque. Et même à l'époque, les gens Bando étaient trop avant-gardistes, trop Bando finga. Ou quand on a photo. Quand on a photo. Bah tu vas souffrir dans le bassin le bango sur les lots. Les lots, tout le monde commence à faire la même chose, si pas pire. Moutoutou, au moins, quand la photo en désordre, aux hommes, moutoutou, à comment goûter un adjomo, à goûter un adjomo, à quand il faut. Maramon, on a fait la nuit. Pourquoi pas pas salon? T'es, mais avant ça, les lots qu'on critiquait, hein? Non, dans le salon, on critiquait les lots, bah, moussalon en désordre, bah, double langue, au talarabou. Donc il a dit que vision. Si quoi une zongi au lieu où ben confrère monsieur soit balubi. C'est vrai que multimédia les lots il y a plein de force à mon aîné. Oui. Nous on exige bis. Naï, nagone, nagana on a plateau les lots. Parce que tu es mon ami. Il y a longue date, c'est-à-dire toi ben avant petit tu osais pas master. Tu as toujours été loyal. Moi pareil. Bah tu mets bah relation à biso. Manayo. Trop comme on a une idée, trop on a divergence à opinion. Mais aux amas on a là, aux amas on a là, aux alli quelqu'un que je respecte, quelqu'un que parmi ceux qui battent à 5 ou 6 journalistes à génération à nous, mi à capena mutué bébé yo en akat, mutué batamayel. En dehors il y a musique, il y a musala la biso bouyngano tout bête à masulo musala ba famille tout loca on mebélé. Mon idée n'a ça la somme interviewé. Tant qu'on a dit yo naïm balamoro, il a qui signe. Soit il y a un musicien, un autre musicien, moi qui ai manqué au respect. Mais au télémissaire, maman, stop. On va te marier sur mon là. Oh, si vous respectez, il faut respecter pour prêtre. Histoire est allée. Soit il y a un peu de plateau, parce qu'il y a un peu de respect, de considération, ou de mérité. Parce que Marie, c'est vrai que Babi Sonde te zaboué. Il y a quand même un peu de marambébélette. Il y a un bandal, il y a une insolence, il y a un. Donc, il y a tout marqué sur le nom de tout le monde. Donc, ça dit, les autres sont les gens qui ont été en train de se faire. Donc, il y a un peu de tout le monde. Il y a une place. Ça veut dire que nos attitudes, nos attitudes, nous avons un peu de tout le monde. 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 Nous avons un peu de latino. Sous la guerrière, nous avons un peu de tout le monde. Nous avons un peu de tout le monde. La guerre est deux fois. Nous avons un peu de tout. Si le lot a commis la preuve dans l'album, il y a un peu de considéré, il y a un peu de respect dans l'aïté. Pour tout ce qui est dans l'aïté, il faut éviter dans l'aïté. Et puis, il y a un plateau, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de questions, réponses, si on a ce qu'on est très bien, il y a. Vous retirez, mais respect toujours. Vous remarquez là, bah tout le monde, surtout si on a écouté dans toute la presse. Sauf, je ne suis pas hypocrite. Je suis là, 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 surtout, quand tu as dit que tu es là, 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 pour es forcer tu es là, tu es là, tu es là. Non, tous les cas, ce ligne, on a été. Attendez, on a plateau, on a été sur le côté, on a repris sur le respect. La répétition, on a tout à l'heure. Ah, nénéné, tout ça, tout, on a tout à l'heure, photo, on a tout. Je reste, on a respecté la presse. Mais, quand il y a ce qu'on a plateau, on est tout obligé. C'est vrai qu'on a une occupation, tout à la paix, côté, on a tout à l'aise. Mon collègue, tout à la presse, on a tout à l'heure, respectueusement. Baye olobi makam no baye mbepe sio place na yo parce que place on a ngo lelo na yibi ngote na mérite on est d'accord donc so ya mangai il faut ba quand même que na trouve na ata 5 émissions to so la ramamu na uto sala parce que na beti na beta Paris Accor Hotel Arena 23 000 places ti le nom tout ça que na beta ngote donc to ko lobela ka so to hotel makawa na to lobela ngo na ya na beta Apollo. N'habite à stade de martyrs Awa, où il y a Kotisa Chikon. Vous comprenez? Oui. Et puis, bah, les 3 dernières années, on habite à au moins minimum 58 concerts par an.
tourne à Maramoroloba. Donc, et dans le monde, il y a un peu réticent. Na, batunda mon nom, mais bien sûr que batunsuba yamba yamba ngaye. Banana ba bino ba mbiaka yaba yaba télévision, même ba tuba internet. Voilà, il y a pas de problème. Parce que justement, je sais pas. Je vais être un peu, enfin, je vais dire sincèrement, vous allez un peu mal à l'aise. Il y a retour aux questions dans le plateau. Parce que j'aurais aimé retourner en privé. Mais bon, retourner au point, il y a un peu. Vous pouvez avoir raison, ce qu'il est là. Retourner au point, et ça la. Pour la Bawarior, par exemple, t'as la bise. Ah! Donc, il y a une question. Parce que si on a tout le monde privé, on va y battre. Mais si on a une question. Je ne m'excuse pas, parce que, compte tenu de la relation, son implication est solo en haut. Ah, ok. Il fallait être solo en haut, dans la cause. Il s'agit, il y a Master Nabiso Mbale, confrère Nabiso, Natsilo Koulé, où il y a audio qui est mis en ligne, où il y a bien en haut, où il y a bien en haut, où il y a maquillé les micros sur les réseaux sociaux. Na yebite soki na wema na ndenga conseil na ko peso conseil te na ndenga observation ou bien na ndenga question vraiment les misanga dans un mois de temps ngana yo fali il peut arriver que ta yebite soki se ila nga na ko lo ba ta ko lo ba li kam mo tam so yo yo ki mo se pelate ni be yo lo ba li kam nga mo tam so nga na yo ki mo se pelate mais malheureusement to ko ikoza na enregistré so ki na za enregistré ba yo ki singa mo sur mo se pelana ote ou encore vina bisoni on ndenge nyosto tambola nango er moko yaka soki vina bisoni so ba filmara yango ou bien ba enregistrera yango ou bien ndenge artiste confie le média luba si tout le monde savait ce que tout le monde pense sur tout le monde personne ne parlerait à personne et moi je connais ton cœur et je sais ta grande je connais ta grandeur Fali naibi keza eloko moko lelo et ça la passe par rapport ya relation na yo na natilo kolé par rapport ya relation professionnelle na personnelle na yo ngana yeba comment est-ce que tu gères ça qu'est-ce que tu comptes faire comment est-ce que tu réponds na batou o union so ba chelio ba projecteur yo na natino connaît sur situation o conseiller na salani pour yom te bien na place publique ce qui na ko ki ko conseiller yo za rôle na l'émission oyo ce qui na ko conseiller na dit que ce qu'il faudra faire c'est prendre de la hauteur parce qu'on a grand au solo une master au considérer qu'à l'obac est en haut hors micro et que macambo belé yo peut tamso cancela va être bien té ou bien tamso cancela va bien té non cancela va de maman bien le problème est ah comme tu en fait Marius jusque là tu es mon frère on est bien mais té il y a le rôle bien besoin grandeur au comprendre que intention naïe et ça là qui a se faire enregistrer té pour yo kayango et que quelqu'un nous t'envoie au silica à lobby ou à quoi que nous bas et que oh ya sala pona yo bi o sala pona ye il est qui moment wana ya o a son porta qui bolimbisana bozongela na voilà ce que je demande merci beaucoup pour na conseil na yo yo ebi que ndi na baka tu sais déjà ce que je pense na pona yo bon j'ai na la besoin que tu as commenté trop tes raisons quand na mambo le baka de bosso o le baka yo mo zaki j'ai nommé maman la place publique donc pour moi je pense que et il y a un rapport de gérant hors caméra. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de Yoruba Marambongo na devant Batunye surtout parce que bon, j'estime que en tout cas, on a la valeur dans Gaïa. Si on a un problème, il faut gérer hors caméra, hors Marambongo. Donc voilà, je préfère tout bon moment privé. Au règlement privé. Le problème tel qu'il est aujourd'hui, il est sous privé, comme public, parce que c'est tout le monde qui en parle, c'est sur les réseaux sociaux. En tout cas, Ngaï, je pense que, à niveau Nanga, il y a d'ailleurs le principe Nanga, la vie, la valeur. Il y a un problème qui est à toi, dans les Kamundé, il y a un master famine de Komutunayo pour la loyauté que vous avez luxé. Et pour moi, c'est loyal envers Marius Munga. Il a luxe, c'est un tout ça, mythe, tout objet, tout ça, loyal envers Muninga Nao. Et moi, je préfère, Makambo, tout le monde, 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 tout le monde,
Et ça, m'en privé. Et je ramène à privé. Est-ce que tu gérais un mot, Roger? Marius, pourquoi vous insistez toujours? Parce que oui, ils ont toujours affecté Marius. Bon, bref. Marius, tu es. Est-ce que Roger est un mot? Je préfère, en tout cas, Naïbissao que Awa, ou ça, extra musical. Donc, ton problème, j'ai problème, Naïbissao, et extra musical. Mais on a quand même conseil, Nanga. Conseil, mais yo, tu es mon ami. Ouais. Tu as besoin d'un conseil. Au moins, parfois, on a besoin d'un conseil à Batou. On a déjà un conseil à Pessinga. Mais et tout en ayant une idée, on a besoin d'un conseil. Parfois, on a un conseil à Pessinga et apporter un plus dans le monde de Kanisa. Je pense vraiment que les lots, je n'ai pas envie de donner crédit dans ma ramousse. Donc, il faut tout régler ma ramousse. J'aurais même préféré. Je préférais que question au Yosogi tout cela est habillé hors caméra. Mais le gros mission on a na libanda. Mais pour moi encore, je persiste encore à dire que Yama Kamuro et que ça peut exagérer libanda à caméra na libanda bato. Voilà. Tout pile ça va moto tout. Très bien, merci. Tout petit dans le chapitre là. Ah, ok. Parlant dedans, ils ont ramené ils ont ramené mais ça marque aussi ça. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Comment tu comptes organiser ça? Parce que Naïbi qui est au sol, on a qui peut nous choter, nous les peut nous. L'émission est au sol, on a dit que moi, on a ça, nous. Mais Naïbi peut-être sera à la fin de la décision. Mais que ton fils décide de faire ça, qu'est-ce que ça te fait? Bon, c'est vrai que on est d'accord à 50%. Je suis un peu. Nado, t'es allé là, non? Mais il est à fond. Il y a dans la Belgique, il habite à Bali. À la voix, Naïo? T'es en avant dans un des. Mais non, on a une vision morote. Déjà, goût moro et la musique. Déjà, tout le monde a goût et la musique. Il y a la musique urbaine vraiment où il y a Bangwana, net rap, tout ça, Banini, il y a les lots. Ok. Même l'écriture, déjà, il y a comment on est morbo. Bon, c'est vrai que je suis un peu plus grand que français. Okay. Donc, je suis un peu plus grand que ça, la langue, le goût, ça, la bien. Je suis un peu plus grand que le français. Déjà, tu as une vision. Okay. Donc, ça, nous avons le droit de m'aider, impossible. Mais il est bon. Il y a deux, trois petits amours. Non, le petit, il a quelque chose. Il est bon. Il y a quelque chose de son plan. Voilà. Donc, mais en tout cas. Ma discussion, toi, on a encore mis couleur en moi. Ok. En moi, mais. Pour soutenir et accompagner. Bien sûr, on soutenir, mais toujours avec moi, rigueur, moi, Ndambouka. Ouais, moi, ouais. Faut toujours. Et côté rigueur, il y a Mambaban, moi, je te soutiens beaucoup. Parce que je sais que nous avons des expériences. Ouais. Dernièrement, on a vu que sorti Mambaban, Mambo, il y a Bana. Et Nabengara, on a vu que tu as tout mon soutien. Et papa africain, à Nenengwan. Alors, je voudrais savoir, Fanny, ceux qui ont préparé l'album. Ouais. C'est quoi le prochain album? Prochain album, Tocos 3. C'est la forme. T'es on a ce urbain. Urbain, donc il y a Rosa Granate, il y a ma collaboration internationale. Ils ont bien. Ah ouais, et ils ont compté comme ça en camp? Normalement, la vision d'Abisso, normalement, il faut aller au Yotosali. Donc ils ont un projet. Ils ont déjà, mais vous autres. En tout cas, déjà, tu as plus de 50% de l'album que tu as enregistré déjà. Uh-huh. Parce que photo bah, ça va bloom sur ma collaboration, ma vision, bloom sur Sika. Et puis, normalement, il faut amener normalement. Bon, on a formule 7. Merci pour la libanga, la fleur. La formule 7. Merci beaucoup. Donc, certifié beau, naturellement, beau gosse. Merci beaucoup. La beauté est relative. Merci beaucoup, Fali. Mais, pour ça, la rendez vous faut combien? Il faut foutre dans là. Combien? Le logo mis 100 000 euros. 100 000 euros? Ah oui, mais c'est moi, non? 100 000 euros en dollars, c'est combien? Il y a moins ça à calculer. N'a pas besoin de calculer, c'est 110 000 alors. 110 000 dollars? Ouais. Pour une chanson? Ouais. Oui, mais on a un peu de temps. Mais bon, tu n'as pas besoin de idée. Il y a un peu de temps. Mais tu n'as pas besoin de temps. Tu n'as pas besoin de temps. Mais le moyen, tu n'as pas besoin de succès, c'est sûr.
Donc, moi, pièce, on m'a pas gâté. Voilà, comme tu aurais une négociation, il y a ce qui est. Comment on appelle ça 90 000 quand même. Net, yo, on a reçu. Yo, on a reçu. Ok. Mon papier, ben là. 20. Il y a un rap de ça. 30. 40. Bon, braqué au pamba. 50. 60. 70. 80. 90 000. Bon, on a 90 000. 90 000 pour la musique. Quand on a l'alias, on a un contrat. Quand on a l'alias, on a signé un contrat. Il faut te signer un contrat. Bon, si on a un clip. Si on a 90 000. On a 90 000. On a oh, si vous avez 90 000. Ah bon? Bon, c'est que ça n'a pas de sens. Oui, mais la Magali, Nzembo. Magali? Ok. Oui, mais Nzembo, après ça. Ok. Baxa, toi, oui, mais Nzembo. Ah. Bon. Allez, on a baxé 70 000. Voilà. Donc, pour une chanson, pour que Fally fasse une chanson, il faut au moins 90 000. Si on a tangi, si on a compté ce qu'on a nommé Nzembo, ça n'a pas l'album. C'est énorme, hein? Mais bah, tout va foutre à bon, t'es yos et on discute. Ah, bah, tout va discute. Bon, je rappelle quand même que vous avez un bon mois sur le terre. Et un bon mois sur le terre. Bon, moi, il m'a demandé, par exemple, sur le net dans Yimbele Marius. Ouais. Au foutre à, au pièce à Nzembo, t'es. Et au placement produit, en fait. Ouais. Nzembo, le là, où il y a net, c'est pas bisous, il y a placement produit. Ouais. Il fallait Yimbele Nzembo. Non, bah, nous sommes Yimbele Nzembo. Bah, Yimbele, bah, 3-4 Nzembo, pas de nous. Mais je n'ai pas moi, c'est un numéro de façon dont tu es un. Donc, il faut que tu. Voilà. Okay. Parce que mon c'est. Alors, donc, les ambongo, il y a soloté, les ambongo, il y a. Il y a un clip. Il y a un clip. Il y a un clip, ou bien sûr, il y a un théâtre. Naturellement, parce que ce qui est là, bon, il y a un clip, il y a un Junior Lombo. Il y a un balard, le numéro, il y a un Zali, pourquoi vous contactez Junior Lombo, son gros salaclip, numéro, il y a un Zali, plus 243-971-500-925. Plus 243-971-500-925. Si vous avez la clip ou bien un théâtre, hein, voilà. On va utiliser faux dollars. 200 dollars à solotaire. Bon, côté. Il fallait confirmer qu'ils étaient à solotaire. Ils étaient à solotaire. Tu comprends ça ou pas? Tu comprends ça, tu sais, quand on est. Ils étaient à solotaire. Donc, prochain clip, non, on peut soit à 1 million. Comme ça. Mais on sera à 20 dollars à solotaire. Tu es un chavafran congolais, belé. Allez, merci Fally. T'as commis Coco dans la sous-émission. On a profité pour appeler ça Mambo Tena. Eddie Murphy, tu as les qui sont. Pour Magali, a raté Nzembo. Et vous avez écouté la carte. Ah, ok. Écoute la carte. Alors, donc, voilà, Fally, tu as commis dans la sous-émission. Dans la sous-émission, vraiment, merci. Merci, Mingi. Nous avons besoin de temps et à couper ça sous exclusivité à l'émission à retour à Kinshasa. Est-ce que vous en avez un concert à Kinshasa? Ils ont prévu parce que tout le monde a quand même calé. Ah, aux Ongi. Pourquoi vous avez un concert? Tu as un concert à Kinshasa, double stade des martyrs, dans le mois d'août. Double stade de martyrs? Ouais. Mais Fally, ou pas? Ou l'inini? Parce que moi, je te mettrai à stade des martyrs, on a remarqué que l'eau mort. On a remarqué que l'eau mort. Et là, on a remarqué que. Il y a une des possibles à double stade des martyrs. Ça dit, tu as le 27, je pense, je crois, entre le 27 ou le 27 août, non, le 28 août. Je pense que tu as officiellement publicité dans la Calatia. Donc le 26, il y a un concert, il y a donc. Double stade de martyrs. Chaud, concert, le mi-concert. Chaud. Le 27, ils ont demandé un mot au bout. Donc le 27, dans le 27, ils ont demandé un mot au bout. Le 28, ils ont un mot. Donc, en tout cas, ils ont la. Et là, ils ont un mot. Comprendre en tant que publicité au band. Oui. Il y a qui cherche à ton concert, tu es en août. Tu es en août. Ouais. Pour nous autres, nous avons créé besoin. Parce que nous avons tous les alliés, tous les nettoyés, tous les préparés ce spectacle, tous les kendé. Le 20. Dans le mois de mars, tous les alliés, tu es en Pointe Noire, puis tu es en Brazzaville. Et après. Toi, on a Zambie. Après Zambie, tu en as Harare. Après ce que tu. Tu qu'est-ce qu'on s'est dit ça? Trois dates, moi, toi, on a en Europe. Chiron et Zokotarak. Après, on a. Tu quatre ici, côté, il y a tête. Après. Tu as Zongi sous l'Afrique. Et.
pour affronter deux stades de Sco. Parce que moi, tout petit, Bahreïn, tout petit, deux stades de Kinshasa, tout petit, parce que deux stades en Europe. Ouais. Ouais. Ouais, j'imagine. C'est, donc, Stade de France, c'est énorme. Confirmé. L'année prochaine, bon, on a tout banda comme dans le Kalaté. Non, et puis, Stade de Moussous, c'est allé. Stade de France, Fali, aux Obama. Pourquoi Stade de France. Dans la Banzim. Hein Banzim, vous allez. Mais est-ce qu'on retourne les sangs? Tant que l'on a annoncé Paris, la défense, Arena, Batbalobeka. Ah, est-ce qu'on retourne les sangs? Au moins, on a toujours annoncé le Stade de France. Parce que toi, la date, tu l'as toujours annoncé. Calendrier, Bima Kalaté. Normalement, il ne fallait pas qu'on annonce ça. Mais bon, avec yo exclusivité. Merci. Tu as annoncé Batbamon à la date. Et puis, tu as billetterie. Yo mo mona ndi ba warrior to za partout. Merci beaucoup Fali, un dernier mot avec nous sur Talibiso Lelo. En tout cas, merci album Formule CTA sur le marché. Merci beaucoup Marius, mon cher frère et ami. Nous recevoir dans le plateau. Et voilà, je pense que tout ça lié un peu tout lui m'a ramené surtout. Donc on va annoncer la date à Europe où il y pour la arena pour revenir après dans le stade. Cher Fali, merci beaucoup, merci énormément d'avoir accepté de venir répondre à notre invitation. Ben écoute, comme je t'ai dit au début de l'émission, continue, on est fiers de toi. Et continue toujours pour que Congo et le Bambara, c'est ça, nous en avons été dans Congo, Mikulu, on a invité. Continue, d'accord. Bonne merci. Chance pour merci, un stade frère. De martyr. J'espère vraiment que... Double stade de martyr. Ouais. Ce sera une première dans l'histoire de la musique congolaise. Tu oses, on te souhaite bonne chance. Merci frère. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, à vous tous de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est toujours un plaisir d'être chez vous. Et cette émission Maru chez vous, en direct de Kinshasa. Je vous remercie de nous avoir suivis au nom de tous ceux qui nous ont aidés à arriver chez vous aujourd'hui. Je vous dis un grand merci. Merci à Junior Lombo, merci à Betty Mbouyi, à Franck Niemboué et à Josaphat Mombo qui nous ont aidés du côté de la technique et à la réalisation de Scotty Moukonkole. Au nom de toute cette équipe, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. J'espère vous retrouver très bientôt. Si vous avez des idées, des critiques ou des suggestions à nous faire, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Envoyez-nous pour améliorer la qualité de ce que nous vous proposons. Au nom de toute cette équipe, merci encore et à très bientôt. Je vous rappelle quand même que cette émission, c'était à Kinshasa, c'est pas aux États-Unis. Allez, merci. Au revoir.